I met Pascal Abel 4 years ago. He reached out to me as a model. He wanted me to represent his line of clothing. And when I met him, I fell in love with him immediately, with his philosophy, his creations, and but him as a person as well. And so we started this journey together. And 3 or 4 years down the road, I brought him an old hoodie of mine that it was my lucky hoodie, and I had worn it for like maybe 10 years, so it was completely falling apart. And I brought it to him, and I asked him kindly if he was able to remake this hoodie, but in a leather sort of way, with his touch of magic, I guess. And so here comes this hoodie, which is Yves the Origin, and so this is based on a old hoodie that I owned for years and years and years and years. And he changed it, and he added some studs on the shoulders and perforated leather. And the fun thing with Pascal is he always surprises me with things. He doesn't tell me. So he designed this one for summer. And when he gave it to me, he said, wear it. And it was like 25 degrees. It was summer, like full on heat wave and very humid out. And he said, wear it, try it on. And I thought I was gonna die. Basically, I'm like, I'm not gonna wear leather in this heat wave. In 2015, I was living in New York at the time, and I came up with this idea of making a luxury line of hoodies because I was always cold. You know, you lose 80% of your body heat through the head, and I was always cold, so I was always wearing hoodies, but I could never wear them in events, or even to go for dinner with grandma was like too sporty or too casual looking for that. And so my idea in 2015 was to come up with a luxury line of hoodies, and the main idea was to make it my own by putting the tattoo where my tattoo is actually on my head. So the person wearing the hoodie would be wearing my tattoo. And so that was the idea. And fast forward to now, 2018, I have this line of hoodies. Finally made it, Mom! I was always told that I was unrealistic, and I love that part of myself, because if I wasn't, I wouldn't try so many things. And the three that you just named, which are model, DJ, and designer, are just three out of probably 60 different things that I do. And I'm just having fun, but yeah, I don't know. I'm just unrealistic. Bienvenue à mon univers. Bienvenue chez Pascal Labelle. Ici, on fait du manteau haut de gamme. Ça fait déjà 13 ans, pratiquement 15. Et c'est ici que tous les petits secrets de nos connaissances, nos finitions intérieures, nos façons de faire des appliqués, que ce soit de l'or, du cristal ou des matières comme mixer le cuir, le cachemire. Bref, c'est tout ici qu'on expérimente puis qu'on produit nos pièces uniques pour nos clients. C'est une pièce d'un fait à Montréal, complètement. Toujours créée à l'image d'un client, sur le lifestyle de quelqu'un. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Je fais pas juste créer des collections me fiant à des tendances ou qu'est-ce qui va être in prochain printemps. Non, nous, je m'inspire du client en avant de moi, j'essaie d'en connaître, je suis à l'écoute. Puis ensuite, c'est à moi d'arriver puis à pointer les bons détails. On a été envahi par du marché de masse, où est-ce qu'on doit consommer. On consomme rapidement, on jette rapide et on rachète. C'est pas mon type de marché. Moi, je suis quelqu'un qui crée des pièces authentiques, faites avec des matières, souvent de très haute qualité, dispendieuses, durables.
ce qui fait en sorte que le produit que je procure à mon client, c'est un produit qui va avoir une longue vie. C'est un produit, c'est un investissement pour le client. Il faut arrêter de consommer du plastique puis des choses qui envahissent nos océans, puis revenir à nos racines, revenir à nos bases, consommer du beau puis en prendre soin. Non, c'est c'est des humains comme tout le monde. Eux autres aussi, ils ont un besoin. Eux aussi, ils veulent rêver. Malgré qu'ils font rêver tout le monde, eux aussi, ils recherchent cette satisfaction-là. Moi, c'est quelque chose qui m'allume. Souvent, c'est des gens très créatifs. Alors, c'est des gens qui me permettent de pousser un peu plus loin que la norme, le standard. Puis, tout ça part de des rêves, tu sais. Au tout début, mon rêve, c'était de vivre de mon métier. Après ça, d'avoir un atelier. Ensuite, à chaque fois que tu réalises un rêve, un autre fantasme se crée, tu sais, puis c'était d'avoir un workshop, du staff, tout ça s'est fait. Puis tout ça s'est fait dans, pas trop rapidement, ça s'est fait dans une ordre des choses, tu sais, qui doit venir naturellement. Puis je rêvais de faire des fashion week, des gros runways. On s'est mis en enfer avec Eve Salvette, tout ça, on a eu de l'impact, je me suis amusé à travers ça. Puis bien, par la suite, ça vient comme ça, tu sais, c'est là que ton nom circule. Un nom vient, t'en prends soin, il parle à un ami, puis là, ben, ça déboule alors. On voulait 4 ans, je cherchais un visage, je cherchais une identité qui pouvait représenter mon produit, ma marque. L'authenticité, le côté vrai, le côté sans frontières, pas de demi-mesure de Eve m'attirait. C'est comme ça que je m'étais présenté à elle, puis j'avais comme vidé mon sac. J'y avais fait ma grosse déclaration d'amour. Elle m'avait dit comme aussi simple que ça à la Eve, comme « Well, let's do it! » Je suis comme « T'es sérieux? » Je m'en ai fait tant que ça avant ce speech-là pour avoir une réponse aussi rapide et positive. C'est comme, puis ça a été le début d'une aventure. On s'est mis à faire des runways. Eve, j'adore. Elle ouvre mes runways, elle ferme mes runways, c'est quelque chose d'impact, c'est quelque chose qui frappe. Puis à travers notre relation amicale, puis business, puis tout ça, je me suis mis à faire des pièces uniques à Eve sur mesure. Elle les porte en plus. Fait que ça me flatte, je suis heureux. Elle a accès à toutes les plus grosses marques de la planète parce qu'elle défile pour, dans son passé, elle a fait les plus gros noms, mais elle porte du Pascal, tu sais. Fait que c'est comme elle porte du Pascal Abel, c'est tout un honneur pour moi. De là, à un moment donné, Eve avait un rêve qui était de faire une marque à son effigie avec le dragon, mais dans une ligne de luxure, mais avec un produit très streetwear, tu sais, un hoodie, tu sais, comme qu'on trouve un peu partout. Là. Fait à partir de là, c'est un beau défi, je crois. Puis c'est de là qu'on est arrivé. On a créé ensemble. Je voulais écouter qu'est-ce qu'elle rêvait, qu'est-ce qu'elle visualisait. Puis après ça, c'est à moi à prendre tout ça, puis essayer de proposer un tout, tu sais. Fait qu'on a commencé à 4 pièces. Eve The Origin, qui était partie de son vieux hoodie tout déchiré, qu'on a sorti un fit de ça. Puis j'ai dit, bon, lui, sa vie est faite. Maintenant, on recrée quelque chose d'autre. C'est celui, je pense, qu'elle aime le plus qu'elle porte, définitivement. La pièce était tellement réussie qu'on l'a titré Eve The Origin. Pour ensuite faire une version homme, parce que moi, j'étais comme, je porterais le même hoodie. Mais, fait que, bref, on a fait une version homme qu'on a appelée Adam The Origin. Puis ensuite, on a voulu répondre un petit peu au marché en dehors d'un hoodie, ce qui fait en sorte qu'on a sorti un manteau, plus un jacket look rockabilly, un peu à la Eve Salvaille, avec du embossé, des franges, sur lequel on a mis un isolant intérieur. Alors, on peut aller jusqu'à moins 30, moins 40 avec, mais il est slick, il est fit, fait comme ça paraît pas du tout. Puis le deuxième, plus une pièce couture avec un capuchon, avec une broderie, avec des fils d'or à l'intérieur de la dentelle. Fait que ça donne un petit côté couture pour répondre peut-être plus à ses tapis rouges lorsqu'elle va aller dans des gros galas. J'espère qu'on va se mettre à réapprécier le beau, le bon, puis consommer de façon différente. C'est important, je pense, pour la survie de notre planète, pour mes petits-enfants qui vont grandir, puis pour leurs enfants, et ainsi de suite. C'est vraiment important. C'est toute une question d'équilibre et de respect. Alors, notre façon de vivre, notre façon de consommer, tout ça a un impact. Puis c'est pour ça que moi, mes manteaux sont faits un par un. Il n'y a pas de production à l'échelle. C'est tout fait à Montréal.
aucune perte de matière. Je récupère tout, même les petits bouts. À la fin, on recoupe tout ça ensemble, on monte des grandes surfaces. Bref, c'est une passion, c'est un art, j'en mange. Puis je pense aussi, comme message de final, de comme il faut croire en soi, c'est super important. Il faut se permettre de rêver, il faut se permettre d'y croire, parce que tout est possible. T'sais, je viens pas d'une famille fortunée, je viens d'une excellente famille par contre, qui m'ont donné beaucoup d'amour et une très bonne éducation. Mais t'sais, j'ai commencé là, comme vraiment en bas de l'échelle, puis c'est avec les années, les efforts. Puis tu tombes, tu te relèves. Puis c'est ce qu'il faut aujourd'hui, que tu es une personne forte, puis une personne confiante, puis une personne qui sait du moins où ce qu'il veut s'en aller.